Salut à tous, c'est Jeff de la chaîne Recif Island. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une petite démonstration du test NO3 de chez Retsi. A tout de suite. Donc voilà, pour commencer, vous devez prélever 16 ml de l'eau de l'aquarium dans cette éprouvette et au préalable, rincer l'éprouvette aussi avec l'eau de l'aquarium. Ensuite, vous prenez le premier réactif, le A, et vous mettez 5 gouttes. Et vous secouez 15 secondes. Ensuite, vous prenez le deuxième réactif, le B. Et là, vous allez prendre une cuillère rase. Voilà. Et là, vous allez secouer pendant une minute. Donc voilà. Après, vous prenez le dernier réactif, le C. Là, pareil, vous prenez une cuillère rase. Voilà. Et là, vous secouez 15 secondes. Et après, vous laissez reposer pendant 9 minutes. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, les 9 minutes se sont écoulées. Donc, un petit détail qui a son importance. Sur votre disque colorimétrique, vous prenez une éprouvette avec de l'eau de votre aquarium, pour bien voir la distinction. Et vous venez insérer la solution dans le disque au centre. Donc là, je vais me lever et je vais vous proposer une vidéo du dessus. Donc, comme ça, ça vous permet... La solution étant au centre et votre flacon d'eau naturelle étant là, enfin naturelle, votre eau de mer bien sûr, vous tournez, mais là bon, comme on peut voir, je vais pas faire durer le suspense, parce que en plus j'ai une misère. Donc là on voit que ça correspond à 0,50, j'y suis très loin. Je vais essayer de faire une mise au point. Donc voilà, ça correspond plutôt 0,25. Donc c'est 0,25 ppm de nitrate, soit 0,25 mg par litre d'eau. Ce qui est, allez, très peu quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires avec quoi vous faites vos tests. Le produit Retsi, je l'ai acheté, je tiens à ouvrir une parenthèse rapide. Avant, je me servais du JBL, mais depuis un certain temps, je suis passé sur le Retsi. C'est un peu plus laborieux parce qu'il faut un peu plus de produits. Mais autrement, j'adhère. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez et avec quoi vous faites vos tests. À très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.